Longtemps, avant que Bouddha ne parcourût cette terre, le nord de la Birmanie était réputé n'être occupé que par des animaux sauvages et des oiseaux de proie. Un jour, l'aigle le plus grand et le plus âgé de la création s'envola au-dessus d'une vallée. Sur un versant, un énorme morceau de viande fraîche brillait d'une couleur rouge éclatant. L'aigle tenta de l'enlever, mais ses cernes purent pénétrer la substance rouge sang. Il essaya tant qu'il put, mais ne parvint pas à l'arracher. Après plusieurs tentatives, il comprit enfin. Ce n'était pas un morceau de viande, mais une pierre sacrée et incomparable, faite du feu et du sang de la terre elle-même. Cette pierre était le premier rubis du monde, et la vallée était Mogok. Ce collier de rubis que je voulais vous montrer, vous voyez, les rubis sont très beaux, ils sont sang de pigeon, qui est une couleur la plus rare pour des rubis. Ils viennent de Birmanie. La Birmanie, le pays de l'or et du rubis, à la frontière du monde indien et asiatique, traversée par le tropique du Cancer, regroupe 44 millions d'âmes, principalement bouddhistes. À Rangoon, la capitale, le grand temple de Shwedagon fut érigé selon la légende au temps de Bouddha. Au cours des siècles, les dévots offrirent des pierres et de l'or dont elle est couverte. 5448 diamants, dont l'un fait 76 carats, ainsi que 2377 rubis de la plus belle couleur, ornent le sommet du temple. Pour la plupart, ces pierres proviennent du nord du pays, près de la frontière de la Chine, dans des montagnes difficilement accessibles. Sur les plateaux Shan, la pierre rouge est extraite depuis la préhistoire. Sur le chemin du rubis se trouve Pagan, la plaine aux mille pagodes. Une prophétie s'attache à sa fondation. Bouddha dit un jour: 651 ans après mon parinirvana, un grand royaume verra le jour en cet endroit. À partir du XIe siècle, pas moins de 13 000 temples, pagodes, stupas ont été construits près de la rivière Yarwadi. Sept siècles plus tard, une crue emporta un tiers de la cité royale. Dans les stupas et les temples étaient déposées des offrandes diverses destinées à Bouddha. Et parfois des rubis. Certains marchands de Pagan proposent ces pierres retrouvées dans les ruines des temples, sans cesse reconstruits. Ils n'hésitent pas à affirmer, malgré leur ignorance en la matière, qu'elles viennent de Mogok, royaume du rubis. Only Mogok. Only Mogok? Yeah. Mm. Best quality is Yano. À l'abri des yeux indiscrets dans un temple, sous le seul regard de leur dieu, ils exhument leur trésor. Sang de pigeon ? Tu sais ce que c'est, sang de pigeon? C'est la meilleure couleur. De Mogok? Oui, Mogok. De grosses pierres. C'est difficile de trouver des pierres comme ça, non? Mais je pense que c'est trop cher pour moi, non? Oui, c'est là, sans trop cher. Trop belle pour être vraie,
Pas assez chères pour leur taille exceptionnelle, ces pierres dupent de nombreux crédules. Le chemin des rubis passe par Mandalay, qui a été créé au milieu du 19e siècle par le roi Mindon. Dans cette cité, des sculpteurs façonnent dans du marbre blanc des statues de Bouddha. C'est ce même marbre qui, par caprice de la nature, sera l'écrin des gemmes rouges. Le roi a fait venir une ethnie indienne d'astrologues pour lui prédire son avenir. Ils sont restés, malgré son exil, organisés par les Britanniques en 1885. Quand pour voir un bien moulin, vous avez deux lignes de vie très importantes. Vous allez faire un voyage à Mogok avec succès et vous trouverez des choses précieuses. Pour avoir le succès, je vais vous donner quelque chose qui vous portera chance. À quelques kilomètres de Mogok, dans le village de Palongji, commence le commerce du vrai rubis. Seules de petites pierres sont échangées ou vendues entre mineurs et marchands. Quelques-unes sont déjà taillées pour les mettre en valeur, comme les rubis étoilés, dont les aiguilles d'oxyde de titane, emprisonnées dans la matière, vont capter et renvoyer la lumière en forme d'étoile à six branches. Ce sont surtout les femmes qui font le commerce des pierres. Cette pierre vaut 40 000 kyats. Oui, oui, 40 000 kyats. Ça coûte autant ? Oui. Pour le canassé, je choisis la terre pour trouver des pierres. Cette pierre a été trouvée en tamisant la terre. Au pied des exploitations privées dans les rejets, les femmes et les enfants cherchent en canassé. C'est une tradition qui veut que les gemmes trouvées soient la propriété du chercheur. Ils ne doivent rien au propriétaire de la mine et il n'y a pas de taxe gouvernementale à payer sur la vente de ces pierres. Sous le joug britannique, seules les femmes avaient le droit de ramasser les pierres. Tout homme qui se penchait vers le sol, sans posséder une licence, risquait la prison. Les gemmes trouvées ainsi sont souvent de petite taille. Elles sont mises dans la bouche pour ne pas les perdre. Cette coutume permit le vol et la vente frauduleuse de nombreuses pierres. En effet, sur une exploitation mal surveillée, un mineur peut facilement faire tomber un rubis au pied des tamis où la recherche en canassé se déroule. La pierre sera fictivement trouvée par un comparse et d'après la loi, elle lui appartient. Mintou est mineur. Il est ici pour faire fortune. Les mines et la terre sont protégées par des esprits. Les gens de cette région sont très superstitieux. Ils croient fortement au surnaturel. Mintou leur fait des offrandes pour attirer leur bienveillance. Ils sont représentés par une noix de coco entourée de bananes. On les appelle les nattes. Il a toujours l'espoir de trouver un gros rubis, comme cette légende qui raconte qu'une vieille femme, un jour de forte pluie, après avoir fait ses offrandes, vit s'ébouler un pan de falaise sur son chemin. Juste devant ses pieds, venait de tomber un rubis gros comme un œuf de pigeon. Thank you.
culte existait bien avant l'instauration du bouddhisme en Birmanie. On dénombre aujourd'hui 37 nattes qui sont des héros légendaires. On leur fait des offrandes pour se concilier leur bonne grâce ou calmer leur colère. Ils sont vénérés lors de la fête nommée Nat Pyo. L'un des personnages principaux est la Nat Kado, ou femme esprit, qui entre en transe et exécute des danses sauvages pour séduire les divinités devant une foule fascinée. Ce personnage, souvent travesti, donne son avis sur des questions de la vie courante, médicale et même spirituelle. Ce culte animiste est très spécifique à la Birmanie. La demeure des Nats se trouve non loin de Pagan, sur un ancien volcan, le mont Popa. Il y a 3 ans, ce trou béant était un village tranquille. Un jour, un homme creusa un puits et trouva du rubis. Les maisons furent démontées puis reconstruites un peu plus loin. Des fouilles frénétiques commencèrent dans une terre riche en gemmes déposées depuis des milliers d'années par des eaux ruisselantes et des rivières maintenant détournées. On l'appelle ici le Bayon. La terre est grattée, creusée, puis transformée en boue grâce à l'eau de la mousson. Ce précieux mélange est pompé. Il remonte sur d'énormes tamis qui vont permettre de récupérer le gravier gémifère qui fera peut-être la fortune du propriétaire de la mine et de ses employés. En effet, ils sont nourris, mais leur rémunération est un pourcentage de leur découverte. Le soir, l'eau est arrêtée. Sous l'œil attentif du responsable, les mineurs trient les plus grosses pierres. Le rubis est rare, on ne le trouve pas tous les jours. Les pierres exceptionnelles sont encore plus rares. Les pierres plus petites sont récupérées plus bas. Elles sont apportées dans des tamis, posées sur une table et triées sous bonne surveillance. Il y a un peu moins de 60 millions d'années, à l'époque où l'Himalaya s'est formé, les remontées du magma par des failles à la surface de la Terre soumettent les impuretés riches en aluminium et en oxygène des roches calcaires à de fortes températures. Ce phénomène donnera naissance au rubis de Mogok. Sous l'action des agents atmosphériques, le marbre, qui lui sert d'écrin, se désagrège. Les cours d'eau emmènent les cristaux de rubis plus résistants et plus denses et les stockent dans des creux naturels, dans les vallées, qui seront les zones de prédilection des chercheurs. Il s'agit d'alluvions. Dans Mogok, le matin et le soir, s'organise un marché au rubis. Des pierres un peu plus grosses vont y être vendues, entre gens du pays. Ce sont encore des femmes qui s'occupent principalement de cette tâche. Les heures sont bien choisies car la lumière fortement rose de l'aube et du crépuscule flatte la couleur rouge de la pierre accentuée par les plateaux en cuivre des vendeuses. Dans ces marchés, un autre danger peut tromper les acheteurs, le spinel, qui est une gemme très proche par sa couleur, sa composition chimique et les mêmes gisements que le rubis. Autrefois, on l'appelait le rubis à balai. Sur la couronne impériale d'Angleterre, le rubis du prince noir, placé près du diamant Cullinan, n'est autre qu'un superbe spinel.
À Mogok, n'importe qui peut faire fortune. Les alluvions riches en gemmes venant des montagnes environnantes ensevelissent les constructions de la vallée. Quand il pleut beaucoup, les maisons sont toutes inondées. Les terrains aussi sont inondés. Mais quand la pluie est abondante, on trouve les pierres facilement partout dans la rue. Les femmes, qui n'ont pas vendu toutes leurs pierres au marché, font du commerce avec des marchands plus importants, comme le docteur Sao Nang Wu. Hello. 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 These people are. Ces gens sont pour certains négociants eux-mêmes. Certains sont intermédiaires et prennent des pierres aux autres et les revendent. Et les mineurs qui trouvent les pierres dans la mine, ils viennent ici et vendent eux-mêmes. Et vous ? Moi, j'achète des pierres. J'ai également une mine, ainsi que des mineurs qui travaillent pour moi. Il y a aussi des gens comme vous qui peuvent venir, et alors là, je leur vends directement. Et de temps en temps, j'achète à ces gens-là. Les marchands utilisent les courtiers non seulement pour vendre les pierres, mais aussi pour obtenir des informations sur les gemmes de valeur, leurs récentes découvertes et les prix auxquels elles ont été proposées, afin de faire une offre le plus près possible de la réalité. Combien ? 8000 kyat. Avant, j'étais médecin dans un petit village où je devais tout faire. Je m'occupais aussi bien des malades que des accidentés de la mine. Et tout cela pour 450 kyats par mois. Un jour, j'ai soigné un mineur accidenté. Et il m'a proposé de prendre des parts dans sa mine. Au bout d'un mois, j'ai trouvé une pierre de 300 000 kyats. Pour moi. La différence a été un choc énorme. Je suis passé de 450 kyats par mois à 300 000 kyats. Only in one month, it was 300 000 kyats. So different that attracts me. Et ça m'a sidéré, et bien sûr intéressé. Alors, je me suis engagé comme mineur. Ce virus m'a contaminé pour toujours. Les mineurs sortent le marbre blanc de la galerie afin de le casser à la lumière du jour. Chaque bloc peut contenir le précieux minéral. Un homme de confiance est chargé de cette tâche. C'est très 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 joli. Et c'est une bonne qualité aussi. En s'enfonçant dans des galeries de plusieurs centaines de mètres de profondeur, les ouvriers s'approchent des couches de marbre. Maintenant, ils sont proches de l'endroit où se sont formés les plus beaux rubis du monde. Ces rubis qu'ils ne voient parfois que quelques instants, cette fortune à portée de main qui va s'évaporer furtivement vers des contrées lointaines pour remplir des coffres à jamais fermés, ou mieux encore pour parer une jolie femme. Il faut casser beaucoup pour trouver. C'est ce qu'on appelle un gisement primaire. La concentration de gemmes est moins importante que dans le bâillon. Dans ces galeries sans ventilation, la poussière n'empêche pas l'œil exercé des mineurs de détecter la moindre pierre rouge. Le rubis est la pierre la plus précieuse, plus encore que le diamant. Les têtes couronnées d'Europe n'ont jamais manqué de faire disposer une pierre rouge sur le front de leur couronne, en mémoire de la souffrance et du sang du Christ. Quand on trouve une pierre de 20 carats, d'une belle couleur, elle peut atteindre un prix astronomique, même si elle n'est pas entièrement pure. Une seule découverte permet parfois au propriétaire de payer son investissement pendant plusieurs années, mais il sait par expérience que plusieurs mois peuvent s'écouler
avant qu'il ne trouve la pierre. Combien de carats? Environ 20. Et combien c'est une pierre comme ça? Cette pierre, 1,3 million, je crois. 1,3 million? US, dollars américains. C'est habituel de trouver des sangs de pigeons ici? Pas très souvent. Une fois par an, une fois tous les 6 mois. Des fois, ça prend 2 ou 3 ans pour en trouver un très beau. Quel coup de cœur! On utilise aussi la dynamite afin d'aller plus vite pour briser la roche mère. Ici, pas de détonateur. La fabrication de l'explosif est artisanale. Ce moyen d'extraction est dangereux pour les hommes, mais aussi pour les rubis qui parfois se brisent lors de la déflagration. Les blocs de marbre, résultant de ce style d'exploitation après avoir été minutieusement explorés, sont rejetés en dehors de la mine. Dans la vallée de Kyoksang, les femmes, les enfants, cherchent en canasser dans ces blocs. Il arrive que le docteur leur achète des pierres. Mademoiselle, pouvez-vous nous montrer ce que vous avez? Est-ce que vous avez des petites pierres? Ah, vous avez eu ça aujourd'hui? Hein? Oui, nous l'avons fait ensemble. Combien? Allez, tu nous fais un bon prix. Tu me les vends à 1500 kyats. 1500 kyats. Non, ce n'est pas possible. À 1500 kyats, on ne veut pas les vendre. 3000, d'accord? 3000? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Ouais. D'accord. Ok, 3000. Bah, je vous souhaite de trouver de belles pierres hein, pour pouvoir les vendre et gagner beaucoup d'argent. Pour ne pas avoir de dettes à payer. C'est le principal, merci beaucoup. Non, vous avez fait une bonne affaire. Allez, au revoir. Au revoir. Dans ce style de recherche en canacé, il est plus courant de trouver des grosses pierres que dans les alluvions où les tamis ont bloqué toutes les gemmes importantes. Un simple coup de marteau peut permettre aux mineurs de tomber sur un rubis exceptionnel, mais les découvertes restent très aléatoires. Où va-t-on, docteur? Nous allons chez un chauffeur de pierre. James Banner. À Mogok, les mineurs ne traitent pas les pierres. Ils ne les chauffent pas pour augmenter la qualité de la couleur. Ce procédé durable permet de multiplier le prix d'une pierre par 10.
Les mineurs sont superstitieux et pensent que ce genre de manipulation portera malheur sur leurs mines et leurs familles. Seuls les marchands utilisent cet artifice. Les rubis de Mogok sont d'ailleurs difficilement chauffables. Souvent, les inclusions qu'ils renferment supportent mal la chaleur. Pour avoir les plus belles pierres, nous utilisons un produit qui vient de Thaïlande. Mais je ne voudrais pas vous dire le nom, bien sûr. C'est notre secret. On peut vous montrer comment ça chauffe, comment on met le produit. C'est tout. La couleur a une grande importance dans la valeur des rubis. Quand on chauffe la pierre, elle devient très éclatante et lumineuse. Pour avoir une pierre précieuse, on doit chauffer la pierre pendant 45 minutes. La pierre devient alors plus jolie et ça fait augmenter sa valeur. Au début, la pierre était noire et quand on la réchauffe, elle devient encore plus éclatante que la première fois. Les rubis de cette région sont extrêmement fluorescents en rouge sous les ultraviolets, sans équivalent dans le monde des gemmes. Il existe plusieurs couleurs. La plus recherchée est le sang de pigeon. Puis, Yang Tui, traduit littéralement par le sang de lapin, un peu plus foncé. Ensuite, Bokaek, un rose très chaud, le préféré des Britanniques. Puis, Leukosit, un rose léger appelé qualité bracelet. Enfin, la toute dernière, rouge sombre, s'appelle Kalagngo, un indien en pleurerait. Ce sont bien évidemment les moins bonnes couleurs qu'il est intéressant de chauffer pour les rapprocher des meilleures. Les petites pierres sont taillées ici. Les lapidaires entaillent un très grand nombre chaque jour, ce qui demande une grande dextérité et une très bonne vue. La pierre est collée à chaud sur un bâtonnet de bambou par de la cire. Les formes de taille n'ont pas changé depuis des générations. Les machines sont manuelles. Le bâtonnet de bambou est maintenu sur un morceau de bois permettant de déterminer les angles de taille des facettes. À chaque manipulation, l'artisan contrôle la taille. Dans cette ville, on est lapidaire de père en fils. C'est un métier qui demande un grand savoir-faire, car non seulement il est nécessaire de tailler parfaitement la pierre, mais aussi de tirer le meilleur parti du brut, en évitant les inclusions et en trouvant l'axe fournissant la plus belle couleur. Les pierres taillées à Mogok sont destinées au marché local. Des joailliers montent des bijoux typiquement birmans. Ils transforment l'or pur de 24 carats en un alliage à 22 carats, moins mou. Après l'avoir fondu et laminé, ils fabriquent des montures.
Le joaillier utilise aussi des saphirs bleus de la famille des corindons, comme le rubis, moins rare. Il est teinté par des oxydes de titane et de fer. Les femmes birmanes sont très coquettes. Elles aiment porter des bijoux qui représentent leur fortune. Ils permettent de protéger leur argent sous une forme facilement transportable. Elles utilisent aussi des produits cosmétiques traditionnels comme le tanaka qui protège et adoucit leur peau. La poudre utilisée avec de l'eau est extraite d'une branche d'arbre que l'on use sur une pierre. Le matin, vers 5 heures, avant même que l'activité ne reprenne dans les mines, les moines vont mendier leur nourriture auprès des villageois. Ils n'ont pas le droit de travailler. Ils regardent avec une grande sagesse et une sorte de détachement l'excitation créée par le rubis. Un jeune garçon birman ne sera considéré comme bouddhiste que lorsque son initiation rituelle sera effectuée. Elle s'appelle noviciat. Durant toute une journée, ils sont habillés comme le prince Siddhartha Gautama, qui deviendra le Bouddha. Leur famille les promène à dos d'éléphant jusqu'au temple, où ils devront renoncer à tous les biens terrestres après avoir adopté les règles monastiques. Tous les Birmans séjournent pendant quelques semaines, quelques années dans un monastère qu'ils sont libres de quitter à tout moment. Ils se soumettent à trois règles fondamentales. Renoncer à toute possession, jurer de respecter toute forme de vie et demeurer chaste. Tout ceci constitue un contraste évident avec la recherche des pierres et la folie qu'elles peuvent créer, comme l'illustre la légende de Ngamok. Ngamok a trouvé un rubis. Il lui a donné son nom. La pierre était divisée en deux par une fissure. Une partie a été offerte au roi, l'autre partie a été vendue par un marchand à l'empereur de Chine. Celui-ci fit présent de la pierre au souverain birman qui se rendit compte que les deux pierres s'assemblaient parfaitement. Fou de rage et conscient de la supercherie de Ngamok, il le fit exécuter avec ses proches. On raconte que du côté de la route où le drame a eu lieu, on ne trouve plus de rubis. Plus encore qu'au roi, les mineurs font des offrandes à leurs dieux. Certains bouddhas trônent sur des montagnes de rubis. Cette frénésie d'obtenir plus, grâce à leur dévotion, leur fait donner parfois des pièces exceptionnelles, comme cette statuette en saphir d'une cinquantaine de carats. Mais comme dans toute communauté, certains essaient la supercherie et offrent des pierres fausses. Ce bouddha en rubis n'est autre que du verpin. On ne dupe pas un dieu. Il ne t'offrira que 10 fois ce que tu as donné. Tu as le choix. Grâce à cette offrande à Bouddha, à son enseignement et à ses disciples, vous pouvez avoir la possibilité d'atteindre le nirvana. Dans la vie, la donation est une bonne action pour tout le monde. Vos vœux se réaliseront grâce à ce mérite.
À Mogok, on parle de rubis, de saphirs et autres trésors le matin, pendant le déjeuner, l'après-midi, le soir. Et la nuit, on en rêve. La folie des hommes attisée depuis des siècles dans cette région est bien loin de s'éteindre. De l'autre côté des grottes, on avait trouvé une grosse pierre. Beaucoup de pierres. Sayado Uvitokeda sait que sa pagode est perchée sur un pic de marbre blanc très riche en rubis, au milieu des mines les plus prospères de la région, là où se trouvent les plus grosses pierres. Sa pagode, du nom de Kyokpyattart, est légendaire et vénérée par tous. Il raconte qu'un roi indien, Ashoka, au 4e siècle avant Jésus-Christ, avait envoyé des missionnaires construire 84 000 pagodes et puits d'eau à travers le monde. Il y a 6 ans, l'ambassadeur du Népal est venu et a reconnu en elle la dernière pagode qui manquait à son recensement. Cet endroit est magique. Un jour, un serpent a séjourné plusieurs mois en haut de la pagode pour méditer. Puis des milliers de papillons sont venus couvrir le haut du temple. Malgré son interdiction formelle, des hommes ont creusé sous le pic rocheux pour arracher à la colline sacrée du rubis. Dans les failles naturelles creusées par les eaux de ruissellement, le moine remarque des traces fraîches de recherche. La folie de la pierre leur fait braver n'importe quel danger. Venez, venez, c'est là. Venez, venez, venez. Dans ces grottes, en plus de l'interdiction formelle de recherche, une vieille légende plane sur ces lieux souterrains. Ils seraient jalousement gardés par des dragons. C'est incroyable. Et les gens d'ici pensent que ce sont des dents de dragon? Oui, j'y crois. Mais pas de façon scientifique. À l'intérieur, quelques-unes se sont cassées, laissant un gros trou. Un gros trou dans lequel se trouve un spinel. Oui, les gens d'ici croient à un dragon très puissant. Et c'est évident qu'il vit dans le trou de la mine, car on trouve toujours et encore des pierres précieuses. Bien que l'on y creuse sans fin depuis des années. Cette fameuse dent de dragon n'est autre qu'une dent fossile d'herbivore disparue de nos jours. Il y a quelque temps, des villageois trouvaient une dent comme celle-ci dans une mine. Ils fermèrent l'entrée avec une grosse pierre de peur que le dragon ne vienne ravager leur village. Voir de belles pierres, même à Mogok, n'est pas chose facile. Bien souvent, les riches propriétaires les cachent et ne les montrent qu'aux initiés et aux proches, dans lesquels ils ont une entière confiance. Ici, vous allez voir des pièces exceptionnelles. Un saphir de 42 carats de la plus belle couleur. Cette rivière de rubis de 22 pierres de 6 carats chacune, 100 de pigeons, n'a pas de prix. Certains grands joailliers mettent des années pour apparier 2 pierres de la même couleur. Cette parure en a 22 identiques et de la plus belle couleur.
La légende raconte que ce sont des prisonniers exilés dans la jungle par le roi birman qui, trouvant des rubis, lui ont acheté leur liberté. Cette contrée appartenait au prince Shan, mais le roi, voyant de telles richesses, annexa purement et simplement la région et donna en échange une terre moins riche au malheureux prince. Au XVIe siècle, le roi décréta que toutes les pierres d'une valeur supérieure à 2000 roupies étaient sa propriété. Toute déviance était punissable de mort. C'est pour cette raison que lors de l'annexion de la Haute-Birmanie en 1885 par les Anglais, une grande partie de la population avait déserté. Okay, don't rain today, eh? Pendant l'époque coloniale, c'est la Burma Ruby Mines qui exploita le rubis, mais sans grande chance. De nos jours, des exploitants privés birmans louent des concessions à la Myanmar Gems Enterprise. Les plus gros producteurs sont l'État par cette même société et l'armée avec l'Union of Myanmar Economics Holding, entreprise privée aux capitaux militaires. Curieusement, l'armée concurrence donc le gouvernement qu'elle contrôle. Ces mines de l'armée sont industrialisées. Elles font appel à des moyens techniques comme des bulldozers, des camions pour extraire les gemmes. Le bâillon est lavé grâce à des jets d'eau haute pression. La boue, riche en gemmes, coule vers un local sur des tamis hautement surveillés. Le tri est fait à l'œil nu, sans instrument d'optique par des militaires. La production journalière sera envoyée à Rangoon pour y être vendue lors d'une des deux ventes annuelles de l'Emporium. Plus de 50% de la production globale de rubis de cette région échappe aux taxes gouvernementales et sort du pays d'une manière illégale. Dans les rues et les marchés de Rangoon, il est fréquent de rencontrer des vendeurs qui attrapent les touristes pour leur proposer des pierres. Les pierres proposées sont montées sur un métal jaune qui n'est pas de l'or. D'accord. Okay. C'est une grosse pierre, hein. Mm. Vous l'avez payé combien? $500. C'est pas cher, hein, pour une pierre de cette taille, hein.
Bon, là, je suis en train de regarder, en train de chercher pour voir s'il y a des inclusions ou quelque chose, pour voir si elle est vraie ou elle est fausse. Mais bon, je pense que je vais vous décevoir un peu. Hein. C'est une pierre fausse. Ouais, mais c'est classique. Hein. Dans la rue, souvent, hein, ça arrive. C'est ennuyeux parce que nous partons demain. Donc, Là, vous avez acheté une pierre qui vaut 5 dollars. Hein. 5 dollars. Ouais, ça s'appelle un French Diamond. C'est une pierre qui est faite par un procédé Verneuil, c'est un rubis synthétique. En France, à la fin du siècle dernier, M. Verneuil inventa ce procédé industriel qui tient de l'alchimie. À partir d'une poudre blanche d'alun, enrichie en oxyde de chrome qui donnera la couleur rouge, on obtient, après calcination, de l'oxyde d'aluminium, matière première du rubis. Cette alumine est tamisée et stockée. On prépare un germe de rubis que l'on positionne dans un four où l'apport d'hydrogène et d'oxygène crée une flamme, élevant la température à 2050 degrés centigrades. Par un dispositif en entonnoir, un petit marteau fait tomber la poudre d'alumine dans la flamme qui la fond. Il est important de maintenir la température constante car une différence d'un seul degré modifie la cristallisation. La poudre blanche, fondue, tombe sur le germe et amorce la cristallisation. L'alchimie commence. Là où la nature va mettre des millions d'années, l'homme ne mettra que 16 heures pour créer un rubis synthétique Verneuil. Un coup de scie évite l'explosion du cristal et libère ainsi les tensions dues au refroidissement trop rapide. Ces parfaites répliques de la nature sont destinées à la bijouterie fantasy, à l'horlogerie, au laser bas de gamme, aux instruments de mesure de précision. 2 tonnes de rubis sortent chaque année de cette usine qui est la seule en France. Ici, pas de synthétique. La vente de l'emporium regroupe 2 fois par an les plus gros rubis de la production officielle. Fiu Fiu fait le commerce de grosses pierres. Elle vient à chaque vente aux enchères pour déterminer les pierres qui l'intéressent. Le rubis est très dur, il est presque inusable. Seul le diamant peut le rayer. Les hindous le considèrent comme la pierre la plus importante et le nomment en sanskrit Ratnaraj, la reine des pierres précieuses. Il y a quelques années, un rubis de 52 carats, sang de pigeon, d'une qualité exceptionnelle, s'est vendu ici 6 millions de dollars à un Chinois. Les acheteurs sont essentiellement des Birmans et des Thaïlandais. La mise à prix est déterminée par un expert. Fiu Fiu a fait son enchère. Malheureusement, la pierre est partie dans d'autres mains.
Alors, je pense que le mieux serait peut-être que vous l'essayiez pour voir s'il va sur vous. Et on va vous le mettre carrément autour du cou tout de suite. Les rubis sont extrêmement... ils sont sans de pigeon, ce qui est la couleur la plus jolie pour des rubis. Et je vous disais qu'ils sont birmans, ce qui est une garantie d'excellence pour des rubis. Souvent, les marchands birmans disent que voir un rubis sans de pigeon est comme voir la face de Dieu.